Ben, au début, quand je commençais à courir, vraiment, je pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à la course, je pensais qu'à la manière de conduire mes courses, aux résultats. Et pour moi, tout était bon pour arriver, quoi. Je mettais tout ce que je pouvais dans la compétition. Vraiment, la notion de danger, ben, j'avais évidemment très peur avant la course, comme tous les pilotes, très peur de tomber, très peur de mal faire, très peur de faire un mauvais résultat. Mais dès que la course était partie, bon, ben, évidemment, j'étais axé vers un seul but, c'est-à-dire celui de gagner ou en tout cas de terminer le mieux placé possible. La mienne, j'arrive, pam, en première, et en front, mais comme ça, tu vois. C'est là. Mais hey, bourgeois, il s'est jeté fort. Il s'est jeté, ouais. Juste blessé. Devant moi. Non. Dans l'aqua minérale, il s'est jeté. Il s'est blessé, non. Je sais pas s'il s'est blessé, mais il s'est jeté très fort. Bah, j'ai réfléchi. Bonne partie de la nuit, j'ai cherché où je pouvais gagner des secondes, ça me paraît difficile. Marc, tu me diras, quand tu te traînes, t'aimes pas le circuit, c'est mathématique. Bah, chauffeur poids lourd, là, je remplace un gars qui est parti en vacances. Sale métier que je fais là. Pourquoi t'as le métier? Oh non, c'est en déconnant. Non, c'est des contrats comme boulot. Il y a 25 ans, tu montais dans ton camion, on te retrouve il y a 25 ans après, tu descends de ton camion. Tout à fait. Tout à fait. Étonnant quand même. Hein, non, en fait, moi, pour moi, en ce qui me concerne, la route, c'est un domaine que j'aime bien. Voilà. Ça m'a permis de m'échapper un petit peu. Là, ces dernières années, je me suis donné dans une profession, dans différentes professions. Et puis, en fait, c'est la roue qui tourne. Ça n'a pas toujours été dans le sens où j'aurais aimé que ça aille. Quoi. Voilà, voilà. La Coupe Kawa, ça a été, je crois, pour la majorité des pilotes qui ont participé à cette promotion de ces années-là, donc de 70 jusqu'en 88 ou 86, peut-être un peu moins, parce qu'après, elle a été coupée. Donc, ce qui a permis, donc, entre autres, on peut le citer en premier, c'est Patrick, en fait, hein, qui est sorti tout de suite. Hein. La première, c'était en 71, donc 72 Patrick. Et en fait, Patrick, ça a été un peu le modèle. Donc, issu de ça, il y en a eu quelques-uns, enfin tous pratiquement, ont eu, sont sortis de la Coupe Kawa. Hein. Pierre-Étienne Samin, bien sûr Christian Sarron, et puis bien d'autres, même moi-même, où j'ai essayé de gravir les marches le plus longtemps possible. Hein. Moi, j'ai débuté en 1971. C'était l'année des 500 Kawa Mach 3, les premiers 3 cylindres Kawa, donc j'ai débuté avec ça. Et en parallèle, moi, je faisais, vu mon gabarit, plutôt le Critérium 750 avec les H2. Donc, moi, en Coupe Kawa, j'ai pas eu trop de chance. J'ai fait plein de belles courses, mais beaucoup de résultats nuls. Entre autres, chute, menu casse. Et c'est l'année où Patrick a gagné. Par contre, en 750, ça s'est mieux passé. Et là, j'ai gagné le Critérium en 750. Et moi, j'ai commencé dès l'âge où on avait le droit, c'était à 18 ans. J'ai dépassé l'interdit paternel et donc je suis parti de la maison et j'ai commencé à courir au départ avec des faux papiers. Quoi. Le permis, fausse autorisation, la licence, fausse autorisation. Et c'est Willy qui m'a aidé en me revendant pas cher son matériel, un peu fatigué, mais c'était le seul que je pouvais me payer. Et donc, Coupe KO en 73 et H2, avec lequel je commence à faire des résultats, des pole positions, des remontées, des départs ratés. Mais j'ai commencé à... je vivais de ça déjà. C'est chemin, mais je vivais de la course à un niveau Coupe KO H2, c'est-à-dire avec les primes, les petits contrats. Bon, c'était, on va dire, au niveau RMI, hein, les rentrées, mais... Je vivais déjà de ma passion et ça me paraissait exceptionnel. Quoi. Bon, j'avais fait la Coupe Kawa en 1974, une année pour apprendre.
Et en 75, j'étais parti pour la gagner. Et on a eu cette première confrontation à Rouen avec Christian, où je découvrais, je pensais avoir gagné la course d'ailleurs. Parce que ce jour-là, j'étais mal parti. J'étais parti dans les dixièmes. Et puis je me suis retrouvé à un moment tout seul avec les adversaires potentiels de l'époque qui étaient Denis Boulon, etc. Et donc j'étais vraiment persuadé d'avoir gagné la course. Et on m'a dit non, c'est pas toi, c'est lui là-bas. Et j'ai dit, et qui c'est? On m'a dit, bah, c'est Christian Sarron. Alors. Malgré tout, je m'en sauve avec le record du tour, donc on était un peu quitte sur ce coup-là. Mais là, je savais que j'avais d'un coup un adversaire redoutable pour cette année de Coupe Kawa, parce que je voulais vraiment la gagner. Je suis arrivé dans le milieu de la moto sans avoir aucune connaissance, aucun ami dans le monde de la moto, encore moins dans le monde de la course moto. Donc bon, ça a été une envie, une pulsion que je n'arrive toujours pas à expliquer, la raison pour laquelle j'ai voulu faire la compétition. Évidemment, j'ai voulu commencer par la Coupe Kawasaki, qui était la formule de promotion de référence. L'année où j'ai commencé, je crois qu'on était plus de 300 engagés. Et donc, il y avait également dans cette formule un bon niveau. Alors, j'avais arrêté mes études pour travailler au PTT, me payer ma première moto. Je m'étais fait un petit budget pour ma première saison, qui était une saison d'essai pour moi, de totale découverte. Et je m'étais donc acheté une 400 Kawasaki 3 cylindres d'occasion. J'arrive à Magny-Cours, première course. Et là, à Rouen, et là, quelques éléments perturbateurs, regardez, suivez mon regard, me disent, oui, ta moto, on la connaît, elle est complètement trafiquée, elle est hors règlement. C'était de l'intox. Ça se faisait aussi à l'époque, bien sûr. Alors, pourquoi? Parce que j'avais fait la pole position. Donc, je me dis la chose suivante, sans rien connaître, évidemment, j'étais incapable d'ouvrir un moteur ou de vérifier ce qu'on me disait. Donc, je vais chez le concessionnaire que je ne connaissais pas. J'achète, et c'était très lourd pour mon porte-monnaie et mon budget, 3 cylindres, 3 culasses, 3 pistons neufs que je fais monter pour aller à la deuxième course. C'était Magny-Cours. Bon, à Magny-Cours, je termine sur le podium et ma moto est prise pour être démontée et vérifiée. D'accord? Et là, M. Barghezzi, qui s'occupait de la Coupe Kawa, me dit « Ta moto est trafiquée, elle n'est pas conforme ». Moi, je dois avouer que j'avais pratiquement les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas comprendre. Je venais de dépenser beaucoup d'argent pour la mettre standard, alors qu'en réalité, elle était déjà pas trafiquée. Et je me souviens que Patrick Ponce, dont j'avais entendu parler, je ne l'avais jamais rencontré, mais bien évidemment, j'avais entendu parler de lui. C'était le pilote français de cette époque, en 1975, s'approche de moi et de M. Barghezzi et dit « Mais voyez bien qu'il est de bonne foi, voyez bien que sa moto, elle n'est pas trafiquée, recontrôle » et effectivement, ma moto était standard. Moi, la 350 Kawa de Coupe Kawa appartenait à ma femme de l'époque. Elle allait travailler la semaine avec et le week-end, on courait. La 750 Kawa de Critérium, comme je l'ai raconté tout à l'heure, elle a été rodée entre Paris et Clermont-Ferrand. Pour la course, on démontait le phare, les clignotants, et elle a fait la course. Je l'ai eue le jeudi avant la course, elle était neuve. Et je n'étais pas le seul, on voyait des gars arriver, surtout à Montlhéry, avec le sac à dos, avec la combine, faire la course. Et repartir après la course avec le sac à dos. C'était les motos de tous les jours, ouais. C'était les motos qui servaient à la fois pour ses déplacements personnels et pour courir. Donc on enlevait les clignotants, la plaque d'immatriculation, le phare, on faisait la course et on repartait. Bon, c'était un peu différent parce que quand j'ai acheté la 400 pour faire la coupe, je l'ai acheté vraiment pour courir et en plus j'avais un deal très particulier avec mon père parce que je m'étais cassé un fémur durant l'hiver précédent à être passager, à rouler avec n'importe quoi. Et donc, le deal que j'avais avec mon père, c'est j'accepte que tu cours, puisqu'il fallait à l'époque l'autorisation parentale, à la condition que tu ne roules plus sur la route.
Donc moi, le deal était tout simple, c'est d'accord, je t'autorise à courir. Donc on avait acheté 7400 kawa à l'époque à la Folie Méricourt. Et donc elle n'était réservée que à la compétition. Donc les phares enlevés, les pots relevés, enfin tout préparé pour la course. Et la semaine, j'avais même pas de garage, donc elle dormait sous un marronnier. Chez moi, j'y mettais une bâche. Elle dormait sous le marronnier. Et puis quand c'était l'époque, l'heure, on la remettait sur la remorque, on accrochait derrière la R8. Et puis on partait sur les circuits pour rouler. Moi, j'avais un principe de base, c'est-à-dire du moment que j'ai l'argent pour y aller, pour revenir, je me débrouillerai toujours. Donc ça m'est arrivé très très souvent de partir avec juste de quoi faire l'aller et pas d'argent pour revenir. Donc il faut se débrouiller pour sur place faire un résultat, prime d'arrivée, prime de départ, pour pouvoir rentrer à la maison et après repartir sur une autre course. Moi j'ai toujours vécu au jour le jour à ce niveau-là, c'est-à-dire que si une course pour aller en Angleterre de la France me coûtait à l'époque 1000 francs, 1500 francs, j'ai plus de chiffres en tête, du moment que j'ai cette somme pour y aller, le retour, on verra bien une fois qu'on est sur place. Mais je n'ai jamais voulu réunir, enfin j'avais pas les moyens de toute manière, de réunir un budget de départ et de planifier une saison, c'était vraiment du coup par coup. Et de fait, à chaque fois qu'il y avait un accident, qu'on se retrouvait dans le plâtre ou quoi, la saison s'arrêtait parce qu'il n'y avait pas de budget pour continuer après. Courir en national avec une moto, moi j'ai eu la chance, Kawasaki m'a prêté une 750 pour toute la saison. La 350, j'avais un crédit mensuel dessus qui n'était pas énorme à l'époque, donc ça allait. Et c'est vrai que la première année, pour boucler le budget, il y a les courses de côte. Les courses de côte, à l'époque, on faisait un scratch ou deux. À la maison, on ramenait 1000 ou 2000 francs. Ça payait largement le week-end, ça payait l'essence. Et bon, le problème, c'est qu'on ramenait un bidon d'huile ou deux, un kilo de boudin ou deux. J'ai même vu une fois gagner un cochon. C'était ça, quoi, beaucoup d'avantages en nature. Donc on s'en sortait, mais pour aller plus loin, après on passe international, là il commence à y avoir des motos qui coûtent des sous. Moi j'ai pas vraiment su faire le virage et je me suis dirigé sur les courses d'endurance après. J'ai quand même roulé pas mal en 74, mais avec des motos plus ou moins de série, en inter, ça le faisait pas, quoi. J'ai juste fait l'année le Tour de France moto qui démarrait. Bon, je l'ai gagné. Et c'était l'année où Christian Estrosi a démarré aussi. Donc voilà. Et puis après, un peu de course d'endurance. Et disons que moi, j'ai pratiquement arrêté là. Étant donné que j'avais gagné la Coupe Kawa, le premier prix était une 900 Z1 Kawasaki neuve offerte par l'importateur. Cette moto, je l'ai échangée à l'époque à Jean Murit, qui était un concessionnaire, et il me l'avait reprise toute neuve en échange d'une 350 TZ qu'il avait en magasin, qui avait appartenu à Jean-Paul Boinet, mais qui avait pratiquement pas servi. Et donc, cette moto de course m'a servi en 76 à démarrer, avec lesquels j'ai fait des courses internationales, j'ai gagné quelques épreuves, etc. En plus, ce qui se passe, c'est quand on arrive sur la scène des Grands Prix, aujourd'hui c'est totalement différent parce que c'est un monde très fermé, mais à l'époque c'était un monde qu'on pensait ouvert, mais qui n'était pas si ouvert que ça, parce que c'était des courses sur invitation. Donc c'était à la discrétion de l'organisateur de vous prendre ou pas. Donc il fallait postuler, et en fonction de si vous aviez une tête qui lui revenait ou de résultats éventuels que vous aviez pu faire dans le passé, il acceptait de vous prendre ou pas, sachant qu'il prenait quand même obligatoirement les 10 premiers du championnat du monde de l'année d'avant. Donc quand on arrive en Grand Prix, on n'a jamais fait de résultat, donc c'est à sa discrétion. Lundi, là, après Mallory, en rentrant, j'ai vu une lettre on vous accepte pas, c'est pas la peine de venir sur place. Je suis quand même parti, je suis quand même venu ici, puis. Et puis je suis allé voir le secrétariat, ils m'ont dit non, c'est hors de question. Je suis revenu le lendemain ici, j'ai vu le directeur de course, j'ai dit que je prenais la place de Roger sur ces machines, et puis ils m'ont laissé partir, quoi.
enfin, c'était pas facile. On s'est dit, depuis jeudi, on était dans un organisateur, on s'est débrouillé. Puis, vendredi, avec un coulon, on a pris la place de la marque, ils m'ont donné en 350 et dans 500, et ça a été. Tu vas faire pareil pour la suite, non? Comment tu vas faire? J'espère qu'ils vont m'engager. Ça dépend si je marque des points de main ou pas. Pour que tu marques des points, il faut que tu sois... Oui, 10 premiers. Et j'avais essayé de nombreuses fois de me faire engager en 76, où je n'avais pas réussi à me faire engager en Grand Prix, donc course internationale à droite à gauche. Et en 77, rebelote, impossible de se faire engager. Je fais le Grand Prix du Venezuela où je termine bien placé, mais ça ne me donne toujours pas d'entrée. Et Bernard Faux, qui était lui déjà installé dans les Grands Prix, me dit « tu devras aller courir en Angleterre, et si tu fais des résultats en Angleterre, tu seras engagé au Grand Prix d'Angleterre, ce qui te donnera ce qui sera la marche pour rentrer dans les Grands Prix. » Donc je suis allé faire quelques courses en Angleterre, dont le Tourist Trophy, sachant que les Anglais appréciaient beaucoup un pilote continental, avec un pilote continental et rouler au TT. Donc j'ai roulé au TT avec une marge de sécurité parce que je ne voulais pas m'y tuer. Et juste après le TT, il y avait les post-TT qui étaient le passage obligé, qui d'un coup se couraient à Mallory Park sur un circuit de 2 km. Et j'avais gagné les post-TT en 350. Donc à suivre, je suis allé à la Fédération anglaise, leur demander si je pouvais avoir un engagement au Grand Prix d'Angleterre au vu des résultats que j'avais pu faire chez eux. Et donc j'avais eu cet engagement en 250 au Grand Prix de Silverstone où j'avais fini 3e et record du Tour. Pourquoi tu es en Angleterre? En France, il n'y a plus rien. Ça, si on se limite à la France, on court 5 fois dans l'année, quoi. Puis l'Angleterre, c'est sympa. À Saint-Arthur, j'ai gagné une manche et je réfléchis bien, mais il n'y a pas beaucoup de Français qui ont dû gagner en Angleterre, hein. Même des petites manches. Bon, les mecs, ils ont la gueule. Je me souviens d'avoir été tous les voir en Angleterre. Je crois que c'était à Silverstone ou à Brands Hatch, où les Anglais, mais ils étaient... me parlaient plus des Français parce que ils arrivaient en nombre, ils étaient au podium, ou ils trustaient, mais on avait 7 pilotes dans les 10 premiers, c'était une catastrophe. Et comme ils parlaient tout à l'heure, pour la chasse aux primes, ils arrivaient avec une 250 et ils changeaient le carénage, ça devenait une 350 et ils faisaient leurs courses. C'était de la folie, quoi. Ils ne voulaient plus nous voir. Il y avait des Français et des Français, quoi. On allait chez eux. C'est le bonnet du championnat de France. Ouais. Et on se met la zizanie. Parce qu'en fait, quand on regarde bien les courses de l'époque, c'était des YAM TZ. C'était 99% de TZ. Et en fait, quelle différence entre une Coupe Kawa et une Coupe TZ, la moto et la performance, quoi. Donc c'était plus ou moins la même chose, un peu décalé dans la puissance et dans la vitesse. C'est ça qui a fait d'ailleurs la magie de l'époque. Ouais. Et pourquoi il y a eu une telle percée des pilotes français, je pense, c'est qu'il y a eu un transfert entre la Coupe Kawa, qui était des machines de route qu'on pouvait acheter chez le concessionnaire, et le début de la période Grand Prix, où en fait c'était que des YAM TZ, à quelques exceptions près, quelques motos d'usine, mais ces YAM TZ étaient des motos compétition client d'un prix très abordable, entre guillemets. Bon, ça valait deux fois le prix d'une moto de route, mais tout le monde pouvait disposer de cette machine, et d'entrée de jeu, cette machine était compétitive. Et comme il y avait un niveau très élevé de pilotage chez les Français, automatiquement on s'est retrouvé avec un pack français qui disposait de toutes ces TZ aux avant-postes, que ce soit des courses internationales ou des Grands Prix. Alors évidemment, comme on disait tout à l'heure, les victoires en Grand Prix étaient encore trustées par les motos d'usine, les Harley Davidson de Villa, Rougerie, etc., ou les Kawasaki après qui sont arrivés. Mais les TZ ont quand même été toujours là pour les places de 2, 3, 4, 5, de temps en temps ponctuellement à la victoire quand il y avait une casse des motos d'usine ou quand les conditions météo le permettaient, comme Christian quand il avait gagné en Allemagne à Hockenheim avec la Yamaha son auto. Et je pense que ce qui a vraiment favorisé l'accession des Français à ces avant-postes a été la diffusion massive de ces motos de Grand Prix à disposition de tout le monde.
Der beste, denke ja. ich, von den besser als Bandern. Der Rougerie, denkst du? Ja. Denke, ja. ja. Und ich glaube, er ist erst am Anfang, er kann ein absoluter Spitzenmann ja, werden. Ja. Wenn noch ein bisschen mehr Ruhe und mhm. Sicherheit, dann ist er sehr gut. Ja, der fährt sehr schnell. Ja. ja. Unheimlich, ja. Ich glaube, er ist das größte Talent von den letzten paar Jahren, das ja. nachgekommen ist. Alors, ce que les gens oublient un peu, c'est que les deux premières années où il court, Patrick n'a pas très bonne réputation. En 71, il achète un cadre à Tébec qui monte avec un moteur de Kawasaki. Il a des motos pas en bon état. Quand il fait la coupe Kawasaki, il est rapide, mais il tombe tout le temps. Il passe pour un frappadingue, il fait des freinages à tout le monde, il fait tomber d'autres pilotes. Ces deux premières années-là, 71-72, on sait qu'il y a un espèce d'ovni, un type qui attaque à mort, qui vraiment ne pense qu'à ça, qui a une rage de vaincre extraordinaire. Une chose que Christian a bien connue, Patrick, dès le début, il se mettait dans une espèce de transe quand il courait. Donc Patrick descendait de sa moto en coupe Kawa après s'être bagarré, il avait la bave aux lèvres, il avait les yeux exorbités. Donc les deux premières années, Ponce passe pour un allumé, quoi. Un allumé qui va vite, mais un allumé et tout le monde se dit, il prend trop de risques. Et puis en 72 également, il a une YAM, il a une TD2. Je me souviens, il a une combinaison d'occas achetée en Angleterre, il a un casque noir. Honnêtement, Patrick, les deux premières années, passe pas pour la star qui va arriver. Il y a des pilotes où on peut rouler à appuyer contre eux en confiance et d'autres, c'est pas possible. Et donc, quand on s'est retrouvé une nouvelle fois au Grand Prix en 500 à Zolder, circuit où s'est tué Gilles Villeneuve en F1, donc un peu un short circuit, mais avec des endroits assez dangereux, on était en bagarre, ça faisait 10 tours qu'on se passait, il y avait d'autres pilotes, on était plusieurs, mais j'étais avec Patrick, je colle à la roue. Et à un moment, je me suis dit, il ne faut pas que je sois proche de lui. Et donc, je me suis dit, soit je laisse de l'espace, donc ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser 30 ou 40 mètres, on risque de perdre l'aspiration. Soit il faut que je passe nettement et que je m'en aille. Et d'un seul coup, ouais, je l'ai doublé au freinage et j'ai changé de rythme. Donc, comme quoi, j'en avais un petit peu sous la poignée. Et je suis parti, même si je suis tombé dans le dernier virage où j'ai fini dixième et Patrick est repassé. Et à l'arrivée, il disait, mais d'un seul coup, il avait noté que d'un seul coup, il dit, mais quelle mouche t'a piqué, tu m'as doublé et d'un seul coup, tu t'es mis à un rythme, on ne pouvait plus te suivre. Bon, je n'avais pas raconté pourquoi. En gros, j'avais craint qu'à nouveau, il fasse une figure. Par contre, ces deux premières saisons chez Sonoto Yamaha, qui à l'époque avait des motos orange, ces images qu'on voit dans le cheval de fer qui sont saisissantes, il y a un type qui attaque tout le temps et c'est Patrick. Et les autres pilotes au début s'en méfient parce qu'ils ne l'aiment pas trop, parce qu'il ose tout, il attaque au freinage, il attaque en courbe, il attaque à la sortie. Et ils disent, au début, ils passent pour un peu comme un automobile Rint ou Senna. Des gens disent, mais ces types-là vont nous sortir, c'est un type qui conduit mal, c'est un type qui attaque trop, c'est un type qui est dangereux.
Mais in fine, à partir du milieu de la saison 73, Patrick apparaît comme la star montante et vraiment un désespoir des Grands Prix. Ça devient indubitable. Et l'un des champions en titre, d'ailleurs, qu'il reconnaît et le dit au effort, c'est l'Allemand Dieter Braun qui dit « Ok, il est jeune, il est fougueux, il attaque trop, mais il a du talent et vous verrez, il ira très loin. » Et à partir de ce moment-là, le regard sur Patrick change. Et donc, en France, 73-74, il y a un pilote qui, à l'époque, attire beaucoup d'attention, c'est Olivier Chevalier. Plus d'ailleurs pour sa capacité à s'adresser aux médias déjà et à faire parler de la course. Et donc, Chevalier et Ponce, et arrive Rougerie aussi, qui va avoir le soutien de l'importateur Harley-Davidson. Il aura aussi des motos d'usine. Mais je crois que c'est important à dire ça, ce début de Patrick est à la fois en fanfare et je dirais presque en réserve, quoi. On sent qu'il y a un grand pilote qui arrive, mais un peu brouillon quand même au début. J'ai connu Michel à ses débuts. Donc, pratiquement comme tout le monde, hein. Pas par la promotion, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais par les courses nationales, les courses de côte, et puis surtout la course d'endurance. D'ailleurs, je me souviens, on avait échangé déjà quelques mots, alors que moi, je n'étais pas du tout encore dans le coup, hein. J'avais le Cromwell, le petit 50 immatriculé, et puis voilà, quoi. Non, c'était un garçon simple, qui aimait la vie. Moi, je te dis, je l'ai connu à ses débuts, et je l'ai connu quand il était pilote officiel, Hermaki. Il est clair que Michel, même quand il a eu des accidents différents, dont un, en l'occurrence, hors course, devant moi d'ailleurs, c'est-à-dire en 74, ce qu'il a imputé un petit peu, qu'il a un peu handicapé pour son année 75, mais c'est un garçon d'une part qui méritait le titre, en 250. Malheureusement, je crois savoir à l'époque qu'il y avait un ordre qu'il soit second pilote, point à la ligne, alors qu'il avait... Il avait la qualité, il avait le talent qui lui aurait permis d'être champion du monde aussi. C'est 19,5. T'as cassé, Michel, là ? J'ai une bougie qui est pleine d'huile, c'est peut-être un joint spi, mais tout de suite au départ, elle marchait plus, tu vois, elle était vachement dure à monter en régime. Je me suis arrêté, il y a une bougie qui est bien, à droite, à gauche, et celle de droite, elle est pleine d'huile, c'est un joint spi qui est foiré, une connerie, tu vois. Enfin, mais de toute façon, c'est normal, je pouvais pas gagner, de toute façon. C'était obligé qu'il m'arrête quelque chose. Je suis même pas surpris, de toute façon. Mais c'est un garçon adorable, voilà, qui se remettait, je crois aussi, jamais en question, la déconnade en permanence, la bonne bouffe, parce qu'avec Michel, on s'en mettait plein la panse à l'époque. C'était un garçon généreux, dans sa petite caravane blanche, quand il partait là-haut en Autriche, à Salzbourg, je crois aussi, là, puis où c'est qu'il partait en Suède, là. Non, c'est un garçon, moi je l'ai vu évoluer jusqu'à malheureusement, jusqu'à la fin, quoi. C'est toujours resté le même. Cette première année de Coupe Kawasaki, j'ai pas trop vu Patrick Ponce, puisque lui, il était toujours pris sur les Grands Prix. Moi-même, même si je portais les couleurs, bon, de temps en temps, on se téléphonait, de temps en temps, on s'est vu, mais pas très souvent. Puis, Patrick s'est cassé la jambe en Grand Prix, je crois que c'était à Brands Hatch, n'est-ce pas, Jacques ? Toi qui es la mémoire vive, ouais, enfin, notre mémoire vive. Il s'est cassé la patte au début du voilà. mois d'août. Et donc, il a demandé à Jean-Claude Olivier, le patron de Yamaha France à l'époque, ça s'appelait d'ailleurs Sonoto Yamaha à cette époque-là, il a demandé à Jean-Claude Olivier quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire de me prendre, alors que j'étais tout jeune, j'avais une année d'expérience en Coupe Kawasaki, il a demandé à Jean-Claude Olivier de faire appel à mes services pour le remplacer en Grand Prix 250, 350 et 750 cm3, c'est-à-dire les motos les plus puissantes de l'époque qui, déjà en 76, atteignaient le 300 chrono ou même le dépassaient sur certains circuits. Donc, voilà comment j'ai débuté très rapidement. Je suis passé du niveau
le plus bas au niveau le plus haut sur les plus grosses motos de l'époque. Ça, c'est aussi grâce à Patrick et à Jean-Claude Olivier qui acceptaient, sur les conseils de Patrick, de prendre de jouer ce pari. On ne pouvait pas dire autrement. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé après avec Patrick comme équipier. Et là, on a tout partagé ensemble, les déplacements, les vacances, l'entraînement physique, absolument tout, et la passion de la course. Patrick a eu une influence sur ce que j'ai pu devenir moi-même, et sur la suite de ma carrière, c'est vrai. Effectivement, c'est dur de voir quelqu'un avec qui on s'est battu, dont on sait qu'on est d'un niveau équivalent, de le voir réussir, d'être pris dans une structure où il est complètement porté, il a tout à disposition. Et de fait, les Grands Prix en Allemagne où il gagne d'entrée de jeu avec sa 2,5, etc. Et en même temps, c'est motivant parce qu'on se dit, voilà, quelqu'un qui est de notre niveau, qui réussit très bien dès qu'il a le bon matériel. Donc ça vous pousse à chercher vous aussi, à vous mettre dans les mêmes conditions pour arriver au même résultat. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'était pas une jalousie, mais on aurait bien voulu être à sa place quand même. Et en même temps, on sait que... si lui réussit, pourquoi on réussirait pas nous? Puisque de toute manière, quand on s'est bagarré en Coupe Kawa, c'était pareil et il n'y a pas de raison. Quoi. Si je peux me permettre, Eric, tu me coupes si je me trompe, mais la différence en fait entre les pilotes privés et mon cas, qui était pilote d'importateur, non pas avec des motos d'usine, hein, j'ai eu des motos d'usine après, sur la fin de ma carrière, mais pas avec des motos d'usine en tous les cas à cette époque, c'était pas tellement une question de... compétitivité de machine. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pilotes français qui avaient des motos privées, mais qui étaient meilleures que celles de Patrick ou moi, plus rapides. Donc ce n'était pas ça le problème. Le problème, il était tout simplement que nous, on n'avait aucun souci. C'est-à-dire qu'on arrivait sur le circuit, on pouvait tomber, détruire la moto. La course d'après, la moto était réparée. C'était malheureusement Jackie Germain qui devait régulièrement nous réparer les motos. Bon, mais la course d'après, elle était réparée, elle était en état, on pouvait remonter dessus. Il n'y avait pas de problème d'argent, pas de problème financier pour nous. Ah ben ça, c'est des fois, j'avais un peu les boules, quand même, hein, parce que ce soit Sarron ou Ponce, c'est des gars quand même... les motos, on les redressait, on les réparait, hein, sur chute. Hein. C'est des gars quand même, moi je me rappelle en 76, les deux ils sont tombés 27 fois. Alors quand on fait de la mécanique pour redresser les bracelets, le carré, changer le carénage, les réservoirs et tout, on ne peut pas trop s'occuper du moteur non plus. Hein. C'est des gars qui tombaient beaucoup quand même. Hein. Je voudrais rajouter aussi qu'ils avaient l'avantage en tant que pilote d'importateur. C'est vrai que leur machine n'était pas toujours très performante. Et moi, je me souviens très bien, en tant que pilote privé, avoir des motos plus rapides que la tienne ou celle de Patrick. Mais par contre, ils avaient aussi, de par l'environnement, Yamaha, Sonoto, qui était une grosse puissance au niveau de la course, d'avoir les pneus, chose qu'on n'avait pas. Et c'était très difficile pour un privé. Déjà, les pneus, souvent, il fallait les payer, alors qu'eux avaient les pneus fournis. Et en plus, ils avaient des pneus qui étaient bien souvent les pneus d'essai ou les dernières évolutions de pneus, alors que nous, eh ben, il fallait ramer, il fallait vraiment prouver un bon résultat pour avoir les pneus. Et je me souviens de mon premier Grand Prix que j'avais fait à Silverstone. Je débarquais sur la scène des Grands Prix, et tout seul, avec mon camion, ma copine. On partageait un camion, d'ailleurs, avec Jean-Claude Meillan à l'époque, de débarquer. J'avais pas de pneus sur la moto, je vais chez Michelin. Vous aviez déjà vos habitudes, et je demande s'il peut me fournir des pneus, et Michelin me dit non, il n'est pas question de te donner, on ne connaît pas, donc on va rien te donner. Et il y avait tout un tas de pneus au rebut, là, qui avaient plus ou moins tourné, quelques-uns qui étaient complètement usés, d'autres qui avaient quelques tours. Il me dit par contre, si tu veux, tu te choisis un pneu dans le tas, et je te le montrerai. Et donc j'avais vu un pneu qui était marqué Uncini, qui était à l'époque pilote d'usine, et j'ai dit, bah, après tout, si Uncini a roulé avec ça, ça fera très bien mon affaire. Et il m'avait mis ce pneu d'occasion, et en fait, au Grand Prix, je ne pense pas d'ailleurs que c'était lié au pneu, mais j'ai fait 3e et record du tour pour mon premier Grand Prix, donc c'était pour moi déjà un aboutissement fabuleux. Malheureusement pour Patrick, alors que Katayama, l'officiel Yamaha, est loin devant, la moto d'usine de Villa, numéro 11, est beaucoup plus rapide que la sienne,
Et malgré tous ses efforts, Patrick devra se contenter de la troisième place. Alors, la différence entre les compés clients et la moto d'usine, elle n'était pas si importante que ça. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on est en championnat du monde, le niveau est très très élevé. Donc là, on parle en centième, en dixième de seconde, on ne parle plus en seconde. Donc, entre une machine qui va avoir un cheval de plus ou un demi-cheval de plus, sur un tour, il va y avoir deux dixièmes d'écart. Mais ces deux dixièmes d'écart, ils font la différence. C'est-à-dire que sur la première ligne, entre le premier et le quatrième temps aux essais, ça peut se faire sur un dixième et demi, hein, quelques centièmes d'écart. Donc évidemment, une moto d'usine, même si elle n'a pas un avantage flagrant, si elle en a un tout petit, vu que le niveau de pilotage est très très élevé, elle va donner quand même l'avantage à ce pilote. Alors après, le pilote compense, etc. Mais sur l'ensemble d'une saison, une moto un tout petit peu plus puissante a un gros avantage parce que le niveau de pilotage est très très voisin. Et donc c'est la machine qui après fera peut-être la petite différence. De toute façon, une compé client, à part la 750 TZ, qui elle permettait, qui est arrivée beaucoup plus tard, hein, mais qui permettait de se battre avec les 750 d'usine Yamaha, parce que bon, il y a une réserve de puissance quand même qu'un bon pilote faisait quand même, il arrivait assis, et puis c'était la moto qu'on pouvait faire quelque chose. La preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs champions du monde avec des compé clients en 750. Hein. Mais par contre, une 2,5, 350, puis une 3,5 compé client ne pouvait pas rivaliser avec une moto d'usine, ça c'est sûr. Et puis il faut dire aussi que sur les motos d'usine, en général, on ne choisit pas les plus mauvais pilotes. Continental Circus, c'était de Grand Prix en Grand Prix. Donc on terminait le Grand Prix le dimanche soir et le dimanche d'après, on roulait à l'autre bout de l'Europe. Donc tous les camions, les caravanes se suivaient sur la route. Mais il y avait quand même de la course. Moi, je me souviens avoir fait la course avec Yann Ekrold qui avait son Mercedes, sa caravane. Nous, on avait le Mercedes, la caravane. Et pendant 800 km, c'est à la course et à se doubler avec les camions et caravanes. Et pourtant, on est à 95 km/h, on n'est pas à 200. Mais c'est cet esprit de compétition qui animait tout le temps et en permanence tous ces gens. Il faut dire que cette période de course correspond aux fameuses 30 glorieuses. Donc ça veut dire le plein emploi, pas de chômage, et des pilotes français qui se mettaient à la sortie des frontières à gagner des courses. Bref, donc on a bénéficié de cet élan-là, quoi. Donc les années 70-80, que ce soit en rock'n'roll, en cinéma ou dans la moto, c'est exactement pareil. L'époque des motos dangereuses et du sexe en danger, quoi. Et on peut aussi dire qu'à cette époque-là, des années 75 jusqu'aux années 82-83, le championnat du monde, quelque part en 250-350, était pratiquement championnat de France. Ah, y a, parce qu'il y avait plus de 10 pilotes français, Dans les 10 premiers, 7 tout le français temps. Dans les 10 premiers. Voilà, 83, tout le temps. Et malheureusement, nous ne disposions pas à l'époque de motos d'usine dans ces catégories-là, qui étaient les Ballington, etc. Mais à chaque fois, les Français trustaient les places de deuxième, de troisième, de quatrième, et des victoires ponctuellement, mais pas suffisamment, sauf Christian quand il a eu son titre de champion du monde, mais ça a été assez long à venir, parce qu'on n'avait pas toujours à disposition le meilleur matériel. Il faut dire que, bon, Sonoto Yamaha, grâce à Jean-Claude Olivier, il y a quand même beaucoup de pilotes qui ont été aidés. Vous savez, il y a beaucoup de gars qui avaient des motos prêtées à l'année, qui rendaient à la fin de la saison, ils n'avaient déjà pas la moto à acheter. C'était quand même... vous savez, en France, si on a eu beaucoup de pilotes qui ont marché en Grand Prix, merci Monsieur Olivier. Hein, parce qu'il en a aidé des pilotes, plus qu'on croit. La course où j'ai gagné devant les meilleurs et devant Barrichine, qui était à ce moment-là les champions du monde 77 avec les motos d'usine au championnat anglais. En fin de compte, ça m'a paru pas la plus dure. De toute façon, souvent, quand on est devant et quand ça marche, ça paraît pas le plus dur. C'est toujours quand on se bat derrière. Donc là, c'était un grand moment, quoi. C'était sous la pluie et avec ma 750 dans un cas de Nico Baker.
Je me rappelle d'abord, je me bagarre avec Hennen avant qu'il casse, mais je crois me souvenir, sous la pluie, je freinais comme sur le sec. Donc c'était... Je m'étonnais moi-même, mais c'est pas possible, ça passe, ça tient. Ce jour-là, je crois que personne ne pouvait me battre, quoi. Et j'ai fini avec 12 secondes sur Barichine. Mais il y a eu d'autres courses où je me sentais même plus fort. Quoi. Et bon, à ce moment-là, soit la concurrence était plus forte, soit le matériel ne me permettait pas d'être devant. Bah ouais, j'y pense de temps en temps. Mais je me raisonne en disant que j'ai vécu avec une telle intensité ces dernières années que moi, mon but, c'est de profiter de la ville le plus possible et surtout à vivre avec, dans ma passion. Les côtés positifs, pour moi, priment toute cette idée de risque. De mort et tout ça. Moi, si je meurs, je mourrai en ayant couru pendant 10 ans, ce qui est fabuleux, quoi. Première cassure début 80, avril 80, trois mois avant, Olivier Chevalier se tue. Et moi j'ai un souvenir, on va en Belgique ensemble avec Patrick, ben dans sa Porsche justement, et croyez-moi, il fallait avoir le cœur bien accroché, pas d'autoroute, et je vois Patrick conduisant comme un fou, me disant « mais regarde-moi comme je roule, si moi je me tue c'est normal, mais Olivier c'est pas normal ». Donc il y a ce début de saison qui est déjà triste, parce que la perte d'Olivier est vraiment dure pour tout le monde. Et puis, il y a la tension à cause du fait qu'effectivement, la 500 Yamaha compétition client n'est pas au niveau. Donc, on a un début de saison qui est un peu douloureux. Et alors arrive effectivement Silverstone, la perte de Patrick. Et puis, deux mois après, on aura aussi la mort de Christian Léon. Et, pour terminer la boucle, en juillet de l'année suivante, la mort de Rougerie. On ne peut pas détacher, je crois, cette année maudite. Non. C'est tombé à une époque où moi-même, j'ai eu un accident. Donc, il a fallu que moi-même, personnellement, parce que j'ai été dans le coma, j'étais tombé en Angleterre, l'île de Man, 118. Donc, Patrick, bien sûr, est décédé 2 ans après. Mais moi, il fallait que je me remette en question. Donc, je ne roulais pas tout le temps. Je trouvais des guidons comme ça en endurance. Et puis, bien sûr, Patrick, par le biais d'une radio, avait été à son dernier Grand Prix à Silverstone, percuté par Michel, quoi. Encore un copain qui, lui, pareil, nous a quitté l'année d'après, qui, toujours pareil, a été percuté aussi en Espagne par un autre copain. Et d'ailleurs, on le voit dans les derniers documents, j'étais devant lui, j'avais fait un bon départ ce jour-là, et il était derrière quand il a eu l'accident. Et il était tombé aux essais, d'ailleurs, dans une grande courbe, une cassure qui se prend à fond de 5, où déjà il était tombé à plus de 230, quoi. Et là, pareil, on s'était dit, c'est pas possible de s'en prendre une encore à un endroit où... Parce que, c'était dégagé, donc c'était bien, mais quand même, il faut éviter de tomber à 230 à l'heure. Quoi. Même une glissade de l'avant, c'est moins dangereux que l'arrière. Mais ça voulait dire, si on tombe dans un endroit rapide, ça veut dire qu'on pousse vraiment la limite. On peut tomber dans une épingle, une maladresse, un déséquilibre, une déconcentration. Mais quand on tombe dans un endroit rapide, c'est que vraiment, je ne dis pas que c'est volontaire de tomber, mais ça témoigne qu'on attaque limite, parce que c'est dans les endroits rapides qu'on fait la différence. Mais en tout cas, je sais qu'il l'a dit, que les chutes, c'est un ticket qu'on enlève d'un carnet, quoi. Je crois que c'était à Gérald Garnier qui a dû dire ça, et voilà. Donc, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'à un moment, il envisage qu'un jour il n'y ait plus de tickets. Moi, j'étais bien évidemment angoissé, même si je savais que Patrick avait vécu comme il avait rêvé de vivre, même s'il vivait, même,
s'il avait réalisé sa passion, même si, bon, il avait accepté ces risques-là, on en avait souvent parlé. Bon, malgré tout, c'était quelque chose de très dur à accepter. Et je me suis, en ce qui me concerne, posé réellement des questions, d'ailleurs avec Jean-Claude Olivier, sur ce que j'avais envie de faire, ce que je devais faire, puisque moi-même, ce n'était pas sûr du tout que je puisse repiloter une moto. Donc, bon, là, j'ai eu un passage vraiment, vraiment, vraiment difficile, parce qu'après sa mort, j'étais tout seul dans le team quand je suis revenu, et j'avais plus d'amis à côté de moi. J'avais perdu un ami, mais j'avais plus non plus d'équipiers, j'avais plus de copains, donc j'étais seul dans mes déplacements, dans tout. Ça, c'était pas facile à vivre non plus. Le circuit de Pattaya, où se court le Grand Prix de Yougoslavie, est très beau pour les spectateurs. C'est aussi le plus dangereux pour les pilotes. La piste de ce circuit naturel court le long de deux corniches qui surplombent la mer. Rochers et falaises rendent toute sortie de route presque fatale. Ainsi, les innombrables bottes de paille n'ont été d'aucun secours à Billy Nelson. Billy est mort ici des blessures consécutives à une sortie de route. J'ai peur, oui, effectivement, j'ai peur, parce que j'avoue avoir eu peur toute ma carrière. Chaque fois que je prenais un départ, j'avais l'estomac noué, ça je dois l'admettre. Mais on essayait d'accepter. De digérer ce risque, parce que ce qu'on voulait, c'était autre chose, c'était dominer notre peur, repousser nos limites. Et si un jour j'avais, et je pense que Patrick, ça aurait été le même cas, Eric, ça aurait été la même chose, si un jour on avait senti que la peur devenait trop gênante, trop présente, et qu'elle nous bloquait dans nos actions sur la moto, dans notre pilotage, on aurait décidé d'arrêter de courir. Moi, j'avais ça en tête en permanence. C'est-à-dire que toutes les préparations hivernales, tous les hivers, je me disais, bon, est-ce que tu es bien prêt à accepter le risque? Parce que si tu n'es pas prêt à l'accepter totalement, c'est même pas la peine d'essayer. Mais je crois que on doit en être tous là pour réaliser de grandes performances. Moi, si je prends mon cas personnel, mes plus grandes satisfactions, c'est pas dans les victoires que je les ai prises. Parce que je sais que, curieusement, ce ne sont pas dans les victoires que j'ai fait mes meilleures performances. C'était dans d'autres courses que je n'ai pas gagnées. Et c'est là que je tire mes meilleurs souvenirs, la plus grande satisfaction. Et c'est encore aujourd'hui bien en tête, bien en mémoire, 10 ou 15 ans après, les meilleures courses, ou 20 ans après, que j'ai pu effectuer et qui ne sont pas ça, parmi... Ça, c'est l'esprit de Patrick qui t'a influencé. Moi, j'ai un souvenir. La première fois que j'entends parler de Saron, c'est à cause de Patrick. C'est à Magny-Cours, justement. Et on est un groupe de journalistes à discuter dans le paddock, et Patrick arrive furieux. « Ouais, les journalistes, qu'est-ce que vous foutez? Vous n'êtes pas au bord de la piste. Allez voir la Coupe Kawa. Il y a un type qui marche vachement fort, il s'appelle Saron, vous êtes des ânes. Allez le voir, vous verrez, ça, c'est un mec qui marche. » Et effectivement, il nous pousse. L'année d'après, quand Christian fait ses premières courses inter avec sa Yamaha, Patrick dit en rigolant, « Alors, vous avez vu, j'avais raison. » Le postier de Rion, parce que ça le faisait rire que Christian essaye de payer sa moto en allant livrer le courrier avec une 125 de la Poste. Ou une fourgonnette. Et donc ça, c'était le côté merveilleux de Patrick. Je me bats pour un peu tout le monde. Il s'est battu. Olivier Chevalier était aussi comme ça pour aider les Français à se faire engager en Grand Prix. Ils ont eu énormément d'influence pour permettre beaucoup des résultats des pilotes français pendant presque 10 ans, quoi.
cette époque-là, on peut dire que la moto, c'était encore un sport. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus vraiment. Pas au niveau de l'activité du pilote, puisque piloter une moto, c'est toujours le même sport. Simplement, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, ceux qui avaient. Disons, il y avait quelque chose d'un peu plus démocratique. Quoi. Et du coup, il y avait une émulation. Ponce l'avait fait. D'autres... À partir du moment où vous êtes un groupe, hein, ça se passait dans le sud, Maison Alfort, Levallois, voilà, il y avait. C'est un pilote qui avait réussi, donc les autres autour, ils se disent pourquoi pas moi. Et c'est comme ça qu'on retrouve 15 Français en Grand Prix à un très haut niveau. Maintenant, on vous qualifie d'après un budget. D'ailleurs, on qualifie l'écurie, maintenant on ne qualifie plus le pilote. Hein. On pourra, je dirais presque à la limite, on pourra presque mettre n'importe qui sur la moto, s'il y a le budget, c'est bon. Quoi. Ça, c'est évident. À l'époque, un pilote doué pouvait faire sa place. Aujourd'hui, il n'est pas certain. Ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Elle n'est plus suffisante. Malgré tout, je voudrais vous dire qu'à notre époque, Eric, il fallait. C'était le système D total. C'est-à-dire qu'on débutait la course seul et on continuait en Grand Prix seul. Moi, je n'ai jamais eu d'entraîneur, je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'un conseiller pour me dire comment je devais piloter. On ne m'a jamais donné un conseil de pilotage. Tout la débrouille. Jamais, jamais. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul. Aujourd'hui, il y a des structures. Mais c'est vrai et aussi, il y a des teams. Aussi, pour les jeunes, il y a des filières jeunes, pas beaucoup en France, c'est vrai, mais il y en a en Espagne. Il y a des managers, un pilote doué il y a des en Espagne, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Un pilote doué en Espagne, un jeune doué, je peux vous dire qu'il va finir en Grand Prix. Un jeune pilote espagnol très doué. Il finira en Grand Prix, c'est sûr, s'il est très doué. C'est sûr, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas, effectivement, qu'on donne l'impression, c'est deux systèmes et deux époques différentes, on ne peut pas les comparer, ils sécrètent des grands champions des deux côtés. Le regret qu'on peut avoir quand même, c'est la convivialité humaine de cette époque-là.